Oui, nous sommes là aujourd'hui, les cinq barreaux de la Cour d'appel de Chambéry, soit 755 avocats, pour le maintien de la Cour d'appel de Chambéry. Et nous sommes là pour profiter de la visite de M. Jacques Toubon, défenseur des droits, pour l'interpeller sur la conséquence au regard des droits fondamentaux des citoyens si la Cour d'appel de Chambéry devait être supprimée. Le message que nous voulons faire passer, c'est d'une part le maintien de la Cour d'appel de Chambéry pour une justice de proximité au service de tous les citoyens, d'autre part le respect de la parole donnée par la France au moment du traité de 1860 de l'annexion de la Savoie à la France. Le maintien de la Cour d'appel de Chambéry était l'une des conditions du traité d'annexion. Et que donc c'est le respect de la parole donnée par la France, par les Savoyards aussi, que nous souhaitons aujourd'hui défendre. Les conséquences de la suppression de la Cour d'appel de Chambéry impliqueraient que tous les Savoyards et hauts Savoyards soient contraints demain de traverser toute la région pour aller peut-être à Grenoble, à Lyon ou je ne sais où ailleurs en France pour aller faire valoir leurs droits. Donc nécessairement un coût supplémentaires, des difficultés d'accès à la justice et avec comme risque celui que les citoyens abandonnent la défense de leurs droits.